Mwen pa menm moun anko Depi mwen rencontre Jezu Tout bagay chanje Mwen vin fò Tout mechansete yo ale Diable a sezi li tremble Kris antre Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous rejoindre au bord de la table ce matin afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. Je vous rappelle, c'est la prière matinale qui est rentrée chez vous avec votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson qui est là pour vous servir. Diable a saisi, tremblé, qui s'entraîne, tout bagage change. Comme vous le savez fort bien, chaque matin avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Luc 6, le verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes rejettent votre nom comme infâme. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin. Refusez cette identité qu'on vous impose. Cher ami dans le Seigneur, l'évangile n'est pas une béquille métaphysique sur laquelle les gens s'appuient pour faire valoir leur propre logique. Même quand aujourd'hui, avec la Bible en main, ceux qui sont influents dans des raisonnements obscurs s'imposent, ce n'est pas une raison pour laisser l'opinion de ceux qui ne connaissent pas vos qualités et votre potentiel forcer l'opinion que vous avez de vous-même. Si c'est une question de faiblesse, tout le monde en a. L'insatisfaction aux yeux des autres, votre manque de qualité, ce n'est pas une cloche pour réveiller les autres dans leur ignorance. Connaissez-vous le point commun de tous ceux qui ont connu le succès dans la vie? Ils ont dû surmonter le rejet. Le fait de ne pas vous apprécier, le fait de ne pas vous aimer, le fait de ne pas vous accepter, ne faites pas de vous une mauvaise personne. En 1907, l'université de Berne refuse de valider la thèse d'un jeune étudiant en sciences physiques. Pourtant ce physicien de génie va révolutionner le monde des sciences. Il s'appelle Albert Einstein. Un jeune lycéen de 16 ans découvre sur son bulletin la remarque de son professeur rhétorique. Manque flagrant d'envergure. Mais il refuse de tenir compte de ce verdict. Vous savez comment il s'appelait? Winston Churchill. C'était bien son nom. Je dis à lui impossible dans le monde entier pour le monde à parler des grands physiciens pour pas mettre nom. Albert Einstein, l'impossible aussi pour parler à travers des thèses rhétoriques des grands penseurs, parler des grands moralistes, parler des grands savants, pour pas considérer aussi, non, Winston Churchill, l'impossible. Parce que monsieur Sayo, malgré les rejets, malgré yo te refusé yo, malgré yo pas de quoi dans potentialité yo, malgré yo pas de quoi yo capable de devenir rien, yo pas de garder yo pour rien, cela n'a pas empêché yo devenir des grands scientifiques, des grand savant parce que yo te quoi dans potentialité yo te quoi dans capacité yo pas de quitter opinion monde yo pas de quitter identité l'autre monde tape imposé yo ou comprendre faire effet sur yo mais yo te quoi également dans vision dans rêve yo te gagné et yo te tient à ce que yo lutte yo goumé pour qu'a réussi dans la vie. L'important pour me faire comprendre, c'est pas le fait que on monde voit mal qui fait mal. C'est pas le fait que on monde juge au mal qui fait mal pour ça. C'est pas le fait que on monde condamne au mal qui fait mal. C'est pas le fait on monde identifie au mal qui fait ou mal ou capable mal si ou même ou accepter identification ça. Ou capable mal si on monde identité ça que l'imposer ou là ou d'accord. Donc il y a bagaille que on monde dit ou bon identité on monde veut soumettre tout, c'est pour faire tourner dans quand pour dire dans non Jésus, c'est ou même qui semblait ça. C'est ou même qui pousse ça, c'est ou même cap comme ça, mais moi-même au nom de Jésus, moi pas jamais comme ça et pas ni droit comme ça.
Moi, pas qu'on est peut-être qui expérience qu'on fait. Moi, pas qu'on est peut-être dans qui dimension ou rivée dans expérience ou peut-être ou qu'a senti ou t'as dû faire plus effort, eh bien, fais-le. Ou qu'a peut-être senti ou besoin rivée plus loin, eh bien, dégage-le pour rivée plus loin. Ou qu'a peut-être senti dans ou même le désir pour faire plus sacrifice, fais des sacrifices pour rivée. Fais-le de la bonne façon pour rivée. Mais cependant, pas qu'il t'ait pièce moun imposé ou yon identité qui pour faire perdre valeur, qui pour faire senti dans ou même à ce qu'il paraît ou réduit, qui pour faire senti dans ou même à ce qu'il paraît ou pas moun encore, qui pour faire senti dans ou même à ce qu'il paraît ou de peu de valeur. Dans Dieu, mon Dieu, ou grand pile valeur. Dans Dieu l'éternel, ou grand pile valeur, ou créé à l'image de Dieu, ou créé à la ressemblance de Dieu, ou créé et ou gen empreinte bon Dieu dans la vie. Il a dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Dans le moment, ça, c'est une barre avec un Seigneur qui est très important, ou besoin de camper pour dire « Je refuse d'être comme on me traite. Je refuse d'être comme on me qualifie. Je refuse d'être comme, amen, on m'identifie. » Ou besoin comprendre que ou créé pour capable vivre dans une transformation de gloire, ou créé pour capable vivre pendant que vous affichez une image qui splendide, une image qui reflétait une forme de transformation qui céleste, une forme de transformation qui divine, une forme de transformation qui sortit de l'ordinaire. Vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère. Vous n'êtes pas n'importe qui, ma sœur. Peut-être peu bien ou capable sembler à l'autre monde, mais ou même c'est ou même une seul bagaille qui est important, ou besoin sembler l'image pour laquelle bon Dieu crée ou là, ou besoin sembler l'image que bon Dieu a attendu de roi. Si ça t'arrive avec des imperfections dans la vie ou besoin camper pour dire, je refuse d'être imparfait, je refuse d'être ainsi, je refuse de continuer à vivre de cette façon. Je refuse de ressembler cette personne. Laissez-moi à tous les points de vue, ni du point de vue social, du point de vue familial, du point de vue spirituel, du point de vue ministériel, mais quel que soit domaine lié à, ça peut changer, ou capable venir meilleur, ou capable venir yon l'autre monde. À propos des héros de la foi, la Bible dit, il était faible et devint fort. Il fut redoutable à la guerre. On t'arrête de comprendre que bon Dieu, il me prend un monde qui faible pour le transformer, le Felvin fort. Bon Dieu, il me prend un monde qui pas utile pour le transformer, le Felvin utile. Bon Dieu, il me prend un monde qui pas une valeur pour le transformer, le Felvin sa vie une valeur. Donc, à propos de ça, Bible a dit, dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, où besoin accepter cette transformation, où besoin accepter rester dans la parole de Dieu, rester dans les évangiles, rester en lisant la Bible, en pratiquant la Bible, et la parole de Dieu capable de transformer, ouais. La parole de Dieu capable de baou, on l'autre forme de vie, on l'autre, je dirais, allure de représentation, la parole de Dieu capable de baou, on l'autre posture. C'est vrai, je dis, socialement, yo ka resté, mais la Bible dit que le Seigneur a capacité et puissance pour qu'a transformer vie, socialement. Ça qui arrivait familialement, il a rejeté ou jeté ou abandonné ou le Seigneur est capable de lever ou mettre au campé pour revaloriser la vie ou devant famille ou. Ça qui arrivait professionnellement ou passer à côté de objectifs ou passer à côté de rêves et visions, il n'est pas encore trop tard avec Dieu. Dieu peut réparer également les échecs. Dieu est capable de réparer les échecs. Donc, quoi dans mon Dieu? Fais mon Dieu confiance, mais tout simplement ou besoin camper pour refuser en quelque sorte, accepter une identité qu'on pas doué gagner. Si en réalité, ça t'arrivait, c'est des erreurs qu'on fait. Si en réalité, ça t'arrivait, c'est des manquements qui la caillou. Si ça t'arrivait, c'est capable peut-être, ou même qui cause identité ça yo. Ou besoin, ou même faire tout ça qui possible pour sortir la donne, pour pas d'accord. Qu'on guide moun, le fait que d'une certaine manière, yo qualifié l'on jan, il dit bon, comme yo aime comme ça déjà, m'a résilié, m'rété comme ça. Non, mon frère, non, ma sœur. Il est l'heure de dire, je refuse de rester ici. Il est l'heure de dire, je refuse d'être ainsi. Il est l'heure de dire, moi, pas doué accepter encore, pour qualifier, me garder comme ça, et puis décider avec bon Dieu, pour ça capable changer. Si ça t'arrivait, yo jeté à cause, d'une certaine manière, manque de moyens, ça t'arrivait, yo jeté à cause de incapacité pour faire certaines choses, dans quel que soit domaine lié, soit dans domaine familial, dans domaine économique, domaine social, professionnel, ministériel, à quel que soit niveau, pas oublier, bon Dieu, qui capacité, pour qu'à
intervenir en votre faveur. Laissez-moi dire un bagage. Il a dit dans Somme 31, le verset 20. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils des hommes ou des fils de l'homme. Texte, ça, son texte qui marquait attention. Lui parler de ça qui relait ta bonté en réserve, la bonté de Dieu qui conservait, la bonté de Dieu qui était là. Cependant, Bible a dit non, que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin, mais bonté à parler là, sont notre bonté circonstancielle, sont notre bonté, nos circonstances qui bien définies. Ça qui arrivait dans le dernier moment, lorsque l'homme pensait que Jean y est, c'est qu'on soit fini, et puis bonté qui était en réserve là, le Seigneur manifestait en votre regard. Ça qui arrivait d'une certaine manière, soit familialement, soit professionnellement, soit économiquement, soit peut-être ministériellement ou autre, ou capable au bord de désarroi, ou capable au bord de l'échec, ou capable au bord de la confusion, vous ne savez pas quoi faire, le Seigneur a gagné une réserve de bonté, les cas manifestés en votre faveur. Donc cette fois-ci mon frère, cette fois-ci ma soeur, levez campé pour dire, je refuse d'être ainsi, je refuse d'accepter cette vie, je refuse de me comporter encore de cette façon, et puis prends une nouvelle décision pour qu'à continuer route là, pour qu'à continuer combat, continuer chemin. Et on a saisi pour ça. Bonté, bon Dieu, a manifesté en votre faveur. C'est pas bonté qu'on vit déjà, non? Mais on a l'autre bonté spéciale qui était en réserve. Selon que dit Somme 31, le verset 20. Mais ça que belle là, il dit que ça que prêle fait là, lorsque bon Dieu prêle manifester en quelque sorte, bonté qui était en réserve, ça, l'a fait lui à la vue des fils de l'homme. À la vue des fils de l'homme, cela veut dire, l'a fait mon ouais, même ça l'a fait, hein? L'a fait mon ouais, même merveille, l'a fait avec. Guide moun qui te pensé ou pas jamais rien. Guide moun qui te pensé ou pas qu'à changer. Guide moun qui te pensé ou pas qu'à différent. Guide moun qui te pensé que ou pas qu'à vivre meilleur que j'en ai. Guide moun qui te pensé d'une certaine manière, pas gain espoir pour encore. Mais cette bonté pour elle manifester en votre faveur devant Dieu tout le monde. Pour ouais que bon Dieu qu'a changé. Bon Dieu t'a changé Paul, lui qu'a changé. Dieu t'a changé Pierre, lui qu'a changé. Dieu t'a changé David, lui qu'a changé. Lui t'a changé la vie de Jephté, lui qu'a changé. Lui t'a changé la vie de Esther. Il a changé, il t'a changé la vie de Néhémie, il a changé. Bon Dieu pas en panne de solution, bon Dieu pas en panne de changement, bon Dieu pas en panne de réponse, bon Dieu pas en panne de solution. Où besoin faire bon Dieu confiance, et quelle que soit la facette de la vie, le Seigneur a campé avec. Mais à la seule différence ma sœur, mon frère, refuser identité ou voulez imposer ou là, où besoin accepter ou c'est un monde qui transformé par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, et puis suivre la parole, obéir, soumettre la vie entièrement avec le Seigneur, continuer le chemin. Hein. Whatever ça que t'es passé, pas besoin qu'on ait. Whatever ça que t'es arrivé, c'est pas ça qui est important. Mais ça qui est important, le ciel lit, dans le moment ça, livré pour capable de comporter comme un monde qui est transformé, un monde qui gagne l'autre identité, une identité qui noble, une identité qui semble à petit bon Dieu, pour continuer faire chemin. Hein. Ça crée les victoires, wap, kiel. Ça crée les grâces, là, wap, joigné. Ça crée les changements, wap, qu'on est chaque jour. Ça crée les prospérités, grandeur. Ça crée les délivrances. Ça crée les levées en dignité. Wap, qu'on est ça dans toute vie. Parce que monde qui a marché avec le Seigneur, monde qui a marché avec Jésus, qui soumet la ville entre les mains de Dieu, ou pas qu'a fini mal. Parce que la vie, la caille, bon Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la victoire. Et c'est aussi, je dirais, le salut éternel. Que Dieu vous bénisse. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voici devant ton sanctuaire pour contempler ta présence, pour contempler ta face. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence, tu enveloppes de lumière comme de manteau, tu éteins également les cieux comme un pavillon. Père, en ce moment, n'a glorifié non pour merveille, pour puissance, pour grâce, pour manifestation, l'amour à notre égard, pour compassion qui manifestait pour nous-mêmes. Et chaque jour, où manifestait compassion et où quittait aussi des réserves de compassion de des moments tout particuliers. Que nous bénis ce matin, que nous honorés. Ce matin, nous venons devant face au Père pour nous dire merci pour cette nuit qu'on permette que nous passions et nous levé devant cette journée que nous pouvons affronter. Fait que Seigneur, nous va
affronter journée ça avec une autre mentalité, avec une nouvelle conception. Fait que chaque frère et soeur qui attend des prières ça va affronter nouvelle journée ça avec une nouvelle conception. Amen. Non pas une conception que qu'a imposé yo façonné dans maillot, mais une conception yo nourri dans sagesse parole ou. Une conception que a nourri amen dans présence ou. Une conception que Saint-Esprit a incarné dans cœur yo, dans l'esprit yo. Père nous honorer non parce que ou fait des provisions pour nous à tous égards dans toutes circonstances qui qu'a présenté. Ou gagne des provisions qu'on fait pour nous-mêmes Seigneur. Ou fait nous comprendre cher Seigneur Dieu, même si monde qu'a fait des dictions, amen, comment nous qu'a fini mal. Gagne monde qui capable d'une certaine manière fait prophétie, comment frère ça, ce ça qu'a tendé là, capable fini mal. Comment bien aimer ça, il pas gagne doit jamais rien, il pas gagne doit pas sortir rien et la ville pas gagne doit passer bien. Père, c'est ça l'homme dit, mais c'est pas ça ou même ou dit en ce moment comme parole a dit ou gagne réserve de compassion, ou gagne réserve de compassion pour agir, amen, au regard je dirais des hommes. T'en prie Seigneur, manifester en bonté, amen, manifester réserve bonté ça envers chaque soeur qui tendez nous là, chaque frère qui tendez, chaque bien-aimé qui recevra prier ça. Peut-être gagne qui désespéré, peut-être qui gagne persécurable qui est lassé, peut-être gagne qui senti pas gagne goût de vie encore, peut-être gagne persécurable qui senti y a pas qu'à continuer encore à ce qu'il pareil au voulait baisser les bras, à ce qu'il pareil au voulait abandonner. Mais ce matin, faire comprendre cher Seigneur Dieu, ou pas abandonner ou pas oublier yo. Yo gien besoin yo même gien conviction pour camper pour dire je refuse, je refuse, je refuse. Amen. Et tout ça que diable avait imposé pour refuser, tout ça que diable avait imposé dans cœur yo pour refuser, dans l'esprit yo pour refuser. Amen. En sorte que Père, yo va capable laisser yo, amen, la nature de ta parole et changer, imprégner propre nature par yo. En sorte que capable de transformer comme tes enfants régénérés et bénis. Père, nous remercions infiniment pour tout ce que tu fais déjà et pour ça que tu continues à faire. Ou tu es à l'œuvre ou à l'œuvre et tu es toujours à l'œuvre. Père, t'en prie, prends en charge cette journée. Prends en charge cette journée. Prends en charge cette journée et non va glorifier, non va exalter. Et on journée de grâce, on journée de paix, on journée de bénédiction, on journée, amen, de yon l'autre estimation pour nous faire continuer out là dans la fierté, pour nous faire continuer out là, amen, dans la paix, dans la joie, amen, lorsque bénédiction lui va accompagner nous. Père infiniment, nous t'en prions ce matin, non pas en vertu de nos mérites, nous réclamons toutes ces choses, mais au nom de Jésus, à qui soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami pasteur Lazare Benson, du côté de New Jersey. Si vous avez pris contact avec nous, sous demande de conseil, ou bien demande de prière, ou qu'à contacter nous sur WhatsApp, ou bien relez nous aussi, dans téléphone, dans 862-212-95-43. Que Dieu vous bénisse. Moi, pas même mon encore, depuis me rencontre Jésus, tout bagage changé. Moi, vine fort, toutes mes chances déroulées, diable a saisi s'entraîner, tout bagage changerait.